Non, il y a ta main ici. Approche-toi, Anne. Elisabeth. Anna, je l'ai. OK. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous remercier d'être présent, tout le monde. Et nous sommes ici pour suite au dépôt d'une pétition sur les aides familiales. Avant toute chose, moi, je veux remercier le CISO, le Centre international de solidarité ouvrière, qui est fait de syndicats, qui est fait de groupes communautaires, qui est fait également d'individus et qui travaille à la coopération internationale avec les travailleuses et travailleurs d'ici et d'ailleurs. Et c'est à leur initiative que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous. Et on est ici pour parler des conditions de travail des travailleuses domestiques qui prennent part au programme fédéral d'aide familiaux résidents. Alors, je suis accompagnée de Dominique Daigneault. Dominique, elle est présidente du Conseil central Montréal métropolitain, la CSM. Shirley qui est ici, Doris Monde de la Fédération interprofessionnelle de la santé, de mes collègues Elisabeth May et Anne Quash, vous aurez compris que c'est transpartisan, et ainsi que de Anna Deegan. Voyons, Anna. Ah, ben, je te cherchais partout, de l'Association pour la défense des droits du personnel domestique. Alors, les aides domestiques, elles font un travail qui est ni connu, ni reconnu, et dans des conditions souvent qui prêtent aux abus. Alors, on se fait leur porte-voix ici aujourd'hui de ces travailleuses afin que leur soient garanties des conditions de travail dignes du Québec et du Canada. Alors, ce matin, j'ai eu l'honneur en chambre de déposer une pétition électronique, une pétition papier. Une de mes collègues va vous en parler. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Daigneault. Alors, d'abord, j'aimerais vous remercier au nom du CISO, du Centre international de solidarité ouvrière, qui existe depuis plus de 40 ans et, comme l'a expliqué Monique, est composé de la majorité des organisations syndicales québécoises. Et on a lancé une campagne afin que le Canada ratifie la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. Et on invite le Canada à ratifier cette convention-là. Et aussi, on invite le Canada non seulement à ratifier la Convention, mais à inviter les territoires et les provinces à harmoniser leur législation avec celle-ci. Cette campagne a rassemblé plus de 65 organisations de tous horizons et a permis également le dépôt d'une pétition, comme le soulignait Monique. Donc, le Canada et la société civile du Canada ont joué un rôle important dans l'adoption de cette convention historique. Pourtant, le Canada ne l'a toujours pas ratifiée 7 ans plus tard. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale du travail décent, on a décidé de tenir cette action parce que pour les organisations syndicales, cette campagne est un geste de solidarité avec les travailleuses et les travailleurs les plus précaires qui vivent dans des conditions qui portent à l'abus, qui portent à la maltraitance et qui font en sorte qu'elles n'ont pas les mêmes droits que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, que ce soit quand on parle du droit d'association, du droit de négociation, du droit simplement d'être protégées parce qu'elles entretiennent une relation de dépendance avec leur employeur. Donc, nous demandons sans plus tarder, ça fait 7 ans que cette convention a été adoptée, nous demandons sans plus tarder au Canada de la ratifier afin qu'enfin ces travailleuses et ces travailleurs-là puissent voir leurs droits fondamentaux et essentiels reconnus. Merci. Alors, je pense que c'est Shirley maintenant. Vas-y, Shirley. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je me sens vraiment choyée aujourd'hui d'être ici afin de soutenir une cause qui appuie sans réserve l'organisation que je représente, mais aussi une cause qui me tient particulièrement à cœur en tant que syndicaliste, en tant que citoyenne et en tant que féministe. Comme syndicaliste, je ne pourrai jamais résoudre à accepter qu'en 2018,
des millions de travailleuses et de travailleurs œuvrent sans protection. Ce sont majoritairement des femmes ayant des statuts précaires qui doivent assumer quotidiennement, au péril de leur santé physique et psychologique, l'inaction et le manque de volonté politique à l'égard de leurs droits les plus élémentaires. Il m'est difficile d'accepter, en tant que militant d'une organisation féministe, d'avoir à être là aujourd'hui pour exiger de respecter les droits qui ne devraient jamais faire l'objet de nuances ou de remises en cause. Il est urgent, plus que jamais, d'agir afin de protéger ces femmes. Le Canada est un État de droit respecté à travers la planète pour son ouverture et ses valeurs humaines. C'est pourquoi le Canada et la société civile ont joué un rôle important dans l'adoption historique de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. Sa ratification ne devrait pas pourtant être qu'une formalité. Le Canada a une occasion en or d'assumer son rôle de leader sur la scène internationale et de donner l'exemple à l'égard du fait que les droits les plus élémentaires ne sont pas négociables et qu'au-delà des discours, il est important d'agir. À ce titre, la recommandation 201 qui accompagne la Convention 189 détaille de manière concrète les ajustements nécessaires afin de s'y conformer. Il ne manque que la volonté politique. Ainsi, nous demeurons confiantes que face au consensus de la société civile canadienne, le premier ministre Justin Trudeau, qui aime pourtant se présenter comme un ambassadeur des droits humains, saura assumer son leadership en matière afin que le Canada puisse démontrer à la communauté internationale que la ratification de la Convention 189 est non seulement possible, mais qu'elle est nécessaire et urgente afin d'arrêter une fois pour toutes le non-respect des droits les plus fondamentaux aux millions de femmes. Le gouvernement Trudeau s'est engagé à poursuivre la lutte contre l'inégalité afin que l'égalité soit atteinte. La lutte pour la reconnaissance de travail domestique ainsi que la protection de ces travailleuses est en ligne droite avec les alignements de ce gouvernement actuel. C'est un non-sens si le gouvernement Trudeau ne ratifie pas cette convention. Merci. Thank you for being here. Caregivers and domestic workers do essential work. They keep our houses in order, prepare our meals, care for our children and our elderly. Without their day-to-day work, Canadians' lives would grind to a halt. And yet, despite their important contributions, the sector is characterized by rampant and systematic non-respect and no protection for their rights. This is historical. They have long been excluded, have been long devalued as workers. And yet, despite this, they have mobilized. In 2011, caregivers facing great obstacles made their voices heard, and the result of that was this convention. And yet 7 years later, we haven't signed it. The rights and the standards laid out in the convention, they're not radical. They're the minimum that we would expect workers to be protected by in Canada. This is not a jurisdictional issue. This is a lack of political will. The federal government is equally responsible for a large majority of the women who work in this sector. By ratifying this, it will be more than symbolic. It will be a first step to recognizing the hard work of caregivers and domestic workers and their fight to have their rights respected. Thank you very much. Alors, merci à l'organisation du CISO de nous avoir rassemblés tout aujourd'hui. C'était très important pour moi et pour le NPD d'appuyer de façon non partisane les efforts de l'organisation, de ceux et celles qui se battent pour faire reconnaître les droits des travailleurs et des travailleuses. Et dans ce cas-ci, des travailleurs domestiques, travailleuses domestiques, en majorité femmes et filles. Et parmi elles, beaucoup d'immigrantes, beaucoup de personnes racisées. Qui font un travail vraiment important, qui est très peu reconnu au niveau économique, mondialement. Et également au Canada, on parle de 150 000 personnes travailleuses domestiques, travailleurs domestiques. Et malgré leur travail essentiel et vraiment précieux, ces personnes sont souvent victimes, comme on l'a dit, d'exclusion sociale, d'exclusion juridique, d'exclusion économique également.
et ce, de manière systémique. Donc, la convention représente une reconnaissance qui est de l'apport de leur travail, de leur apport comme travailleurs et travailleuses domestiques et de la reconnaissance également de leur dignité complète. C'est une question de droits humains et le Canada doit être un leader mondial sur cette question-là, surtout que notre premier ministre se vante dans tous les coins de la planète qu'il est féministe. Alors, il faudrait que les babines suivent les bottines, que les bottines suivent les babines plutôt, et qu'on puisse pouvoir être fiers du Canada en matière de droits du travail, de droits humains, de reconnaissance de leur travail des travailleurs et travailleuses domestiques. Donc, je suis ici en appui de toutes les revendications du Centre international de solidarité ouvrière et sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Elisabeth May parce que le but, c'était vraiment de laisser la parole aux représentantes de ces travailleurs et de ces travailleuses. Merci. Merci Anne et merci Monique et tous mes collègues dans le Parlement d'une façon non partisane, comme tout le monde en dit. Déjà, je suis fière, c'est un grand honneur d'appuyer les droits des travailleuses mondiales domestique. C'est vrai qu'ici au Canada, nous avons les travailleuses domestiques qui manquent le droit et les protections qu'on a le droit. Mais maintenant, nous n'avons pas une seule reconnaissance juridique pour protéger ces travailleuses domestiques. Alors, nous avons franchi d'importantes avancées en matière de droits des travailleuses au Canada, mais cette révolution des droits n'est pas terminée. Beaucoup de trop de travail, surtout le travail fait par les femmes, demeure du travail fantôme, invisible. Le travail domestique, le travail et pour les travailleurs, travailleuses, on doit le protéger. So I'm very honored to be here to absolutely demand that our government take the simple step of ratifying Convention 189 of the International Labour Organization and take this step now to encourage other countries to do the same thing. It's really unacceptable that this situation has gone on for so long. Alors, merci tout le monde. Maintenant, s'il y a des questions. Je vais commencer par une toute simple. Vous dites que c'est non partisan, mais je ne vois pas de députés libéral ni conservatrice ou conservateur. Alors, les avez-vous contactés? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? Oui, le Centre international de solidarité ouvrière les a contactés, effectivement, mais elles ne pouvaient être présentes ce matin. Parce qu'elles n'appuient pas la démarche ou parce que... Pourquoi? Oui, c'est... Moi, nous autres, on passe avec le CISO et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas être disponibles ce matin. Alors, les raisons pour lesquelles elles ne sont pas là, je ne peux pas vous les donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, outre peut-être ratification de la Convention, concrètement, je disais le communiqué, je ne la connais pas, cette résolution-là. Concrètement, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça obligerait le Canada à quelque chose en particulier? Est-ce que c'est symbolique? Qu'est-ce que ça représente? Alors, qui veut... Anna? Comme avocat? Oui, c'est ça. That's my job. En anglais, ça va? It would actually require the government to take effective measures. There are certain places where we are conform with the convention on paper, and yet because of the nature of domestic work, we don't see those rights are actually vindicated in practice. There's other places where the governments are still lacking. For instance, we see the systematic exclusion of domestic workers from occupational health and safety, despite the fact that their work puts them in great risk of physical injury as well as psychological harm, given the fact that they tend to work in private homes. So the convention would require, for instance, the federal government, ideally, for instance, to change immigration policies that have been shown to make the protection of rights difficult. For instance, the employer-tied work permit that a lot of these workers work under makes it almost impossible for them to pursue legal claims, for them to demand that their contractual rights are respected. It would also require the federal government to refrain from ever once again imposing a live-in condition, which was the caregivers from outside of Canada were required to live with their employer. That was removed in 2014. However, the government could put that back in. The convention would prevent that from happening. Thank you. And sorry, your name was? Hannah Deegan.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, je veux ajouter quelque chose. Vas-y. Oui, je veux ajouter parce que c'est vraiment bizarre que c'est une statistique, le coût d'élever des enfants, les coûts pour une famille au Canada, au contraire des États-Unis. Et les coûts sont trop chers au Canada, au contraire des États-Unis. Et que tout le monde pensait, pourquoi pas? C'est vraiment bizarre. It turns out that when you look at the statistics, the exploitation of domestic workers in the United States is so severe that even though we have more government social supports in Canada, it's cheaper to raise kids in the U.S. because of the exploitation of living in home nanny care. So c'est vraiment un scandale mondial et le Canada doit absolument nous exigeons notre gouvernement de prendre cette petite étape pour protéger les droits des travailleuses domestiques. Ce n'est pas idéal au Canada non plus, mais c'est pire aux États-Unis et on doit le faire. Combien de signatures dans votre pétition? Alors, on a, quand on additionne la pétition papier et électronique, on a environ 5000 signatures. Et vous parlez d'un problème mondial, des millions de travailleuses, surtout domestiques. Mais ici, il y en a seulement 150 000 au Canada. Donc, est-ce que le problème vraiment est si important ça quand on compare à d'autres pays où ce que justement les conditions de travail sont Bien, en fait, si les présentes législations permettent ou favorisent l'abus d'une seule travailleuse, quant à moi, c'est un problème. Pardon. Ces femmes-là, ces travailleuses, ces travailleurs-là sont dans des conditions de dépendance, dans des conditions d'invisibilité qui rendent leurs conditions de vie quotidiennes absolument épouvantables et qui font en sorte qu'elles subissent de la maltraitance, elles subissent des abus divers sans pouvoir se défendre. Et c'est inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable dans un pays comme le Canada qui se targue d'être un défenseur des droits humains. Alors, tant qu'il y aura une seule personne dont les droits seront bafoués, cette législation-là sera nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été présente et présent. Merci.